Mes très chers amis, bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Les grands saints ont tous dû souffrir pour devenir saints en imitant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pareil pour le Padre Pio. Voilà une première partie donnée par M. Jean Goyat qui nous explique quelques-unes des souffrances dont le Padre Pio a dû souffrir. Je vous laisse entre ses mains. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur le like et abonnez-vous. Répandez ce vidéo avec vos amis, votre famille, et vous allez recevoir les grâces et la bénédiction du Padre Pio. Que la Sainte Vierge vous aide et à bientôt. Merci. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Voilà, nous voilà contents de voir de la lumière au bout du tunnel du Padre Pio. Il souffre de plusieurs manières. Depuis 1919, ce sont les difficultés dues à la campagne de presse, puis campagne de calomnie, puis décision de l'ordre, des dirigeants de l'ordre et surtout du Saint-Office contre le Padre Pio. Et nous allons voir un petit peu là les dernières péripéties difficiles. Nous sommes en 1931, le 31 mars. Le père Raffaele de Sant'Elia a Pianisi, vous le savez, c'est celui qui est un proche du Padre Pio et supérieur du couvent de San Giovanni Rotondo, il est convoqué à Foggia par le provincial. On l'informe qu'il va être remplacé à la tête de la communauté de San Giovanni Rotondo par un religieux venu de Milan, nommé directement par le ministre général de l'ordre à Rome, le ministre général des Capucins. D'un côté, il est de tradition que le gardien du couvent soit élu, et deuxièmement, que ce soit quelqu'un de la région. Et là, ce sont deux choses qui heurtent cette tradition. La nouvelle, qui devait être gardée secrète, jusqu'à la venue du nouveau supérieur, se répand très vite hors des murs du couvent, la population de San Giovanni Rotondo entre en ébullition, le transfert de Padre Pio aurait lieu, soi-disant, au même moment, et il serait envoyé, comme je vous l'ai dit, en Allemagne. Ouh, l'ébullition. Aussitôt, une garde du couvent est une nouvelle fois organisée. Mais cette fois-ci, des équipes sont formées, armées de serpettes, de faux et de haches. Là, on commence vraiment à s'inquiéter, à s'affoler même, et à prendre des mesures. De superbes mesures de violence, c'est affreux. Bon, je dis superbe parce que c'est avec la superbe de l'époque, n'est-ce pas? Bon. Des murettes de pierre sont édifiées sur les routes qui mènent au pays. Les entrées et les sorties sont contrôlées. En cas de mouvement suspect, la sirène de la mairie donnera l'alarme à la population. Et le soir du 6 avril, un moine arrive au couvent. Mais ça n'a rien à voir. C'était un moine franciscain qui, au retour d'une tournée de prédication dans les Pouilles, avait voulu faire la connaissance de Padre Pio qu'il ne connaissait pas. Mais la population ne l'avait jamais vu. Et on l'a pris pour le nouveau supérieur annoncé. Et là, il y a une réunion de la foule devant le couvent. On raconte dehors l'étranger, au poteau, si on a enlevé le Padre Pio, on fait un massacre, etc. Padre Pio est obligé de se montrer à la fenêtre du couvent pour rassurer la foule. Il essaye d'expliquer que le nouveau religieux n'est qu'un visiteur de passage, rien n'y fait. Finalement, qu'est-ce qui se passe? On trouve un poteau électrique qui devait être placé quelque part le lendemain et on s'en sert comme d'un butoir, on force la porte du couvent et la population rentre de couvent. Devant l'inscription clôture, les femmes s'arrêtent. Heureusement encore. Mais les hommes montent jusque dans le corridor. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Une chose à laquelle ils n'étaient pas préparés.
Le Padre Pio est allongé par terre. Ah ! Il les apostrophe avec toute sa force et il leur dit « Que voulez-vous ? » « Père, nous voulons le religieux qui est arrivé aujourd'hui. Nous ne lui ferons aucun mal, mais nous voulons que vous nous le remettiez car il est venu pour vous emmener. » « Repartez, vous dis-je, c'est un de nos confrères qui est venu pour parler avec moi et nous ne le remettrons à personne. Mais nous vous promettons que nous ne lui ferons pas aucun mal. » Et Padre Pio plus que jamais décidé. « Je vous dis de repartir tranquille, mais si vous voulez entrer dans le couvent, vous devez passer sur mon corps. » Alors, tout le monde s'arrête. Et après moult tractations, je crois 2h30, chacun rentre enfin chez soi, sauf une centaine d'hommes qui continue à monter la garde sur la place au cas où. Vous voyez là, ils se sont mis à l'action. L'incident est grave, parce que on a forcé la porte du couvent. Bon. Donc les supérieurs demandent une relation bien précise des événements. Mais là-dessus s'ajoute quelque chose. Un grand quotidien romain, vous voyez une autre fois, comme en 1919, Il Resto del Carlino, je ne sais pas ce que ça veut dire, publie un long article sur le frère consolateur et ses miracles. Le journaliste raconte une visite du Padre Pio. Il décrit les pèlerins venus chercher refuge sous les ailes d'un saint et les femmes et les hommes qui se pressent pour pouvoir baiser la main ou l'épaule visiblement sanglante de Padre Pio. Bon, en réalité, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que depuis 1923, le Saint-Office a demandé que le Padre Pio s'abstienne de tout contact avec les gens, et de fait, il ne recevait plus les fidèles, sauf en confession. Le journaliste, par goût du sensationnel, a desservi de la sorte le Padre Pio. Donc, l'émeute populaire de cette nuit du 6 au 7 avril, et puis cet article de presse, évidemment, ont pesé négativement. Et le Saint-Office, le 13 mai 1931, elle prend une décision de plus. Au Padre Pio sont enlevées toutes les facultés du ministère sacerdotal, excepté celle de célébrer la Sainte Messe, mais seulement dans les murs du monastère, en privé, dans la chapelle intérieure et non dans l'église publique. Voilà ce qu'on apprend au Padre Pio. Que soit faite la volonté de Dieu, se contenta de dire le Padre Pio quand on lui communiqua l'ordre du Saint-Office, et il se mit à pleurer. Ça veut dire qu'il ne peut plus célébrer la messe en public, il ne peut plus confesser, il ne peut plus même voir les fidèles. Donc, malgré tous les avantages, c'est-à-dire, on a vu que l'évêque du lieu n'était pas bon, on a vu que les chanoines du lieu n'étaient pas bons, ils ont fini par être expulsés, eh bien, vous voyez, là, ça continue. On est en 1931, et il y a des gens qui s'activent au Vatican pour condamner le Padre Pio. Le Padre Pio ne même pas enseigné au petit collège attenant au monastère, et il faisait la direction spirituelle. Finalement, prendre ses repas avec la communauté, dire l'office en communauté, ce sont les seules activités conventuelles qu'on lui permet désormais d'avoir. Il est bien, selon ses propres termes, un prisonnier innocent. Pendant 2 ans, le Padre Pio va mener cette vie de reclus. Et ce qui lui causera le plus de difficultés, le plus de peine, vous le savez, c'est d'être privé de confesser. Parce que là, on lui entrave sa mission. Il a été envoyé sur terre par le bon Dieu pour cela, et il le sait. Mais ça... Bien, alors, il y a eu un livre qui a été publié. Il s'appelait « O Padre Pio da Pietralcina », le héros du Seigneur. Il a été publié par Alberto Del Fante. On l'a vu déjà dans le passé, c'était un franc-maçon notoire, vous le savez, qui écrivait dans une revue de Florence qui s'appelait Italie laïque.
il avait attaqué les mystifications du Padre Pio, c'était un charlatan, etc., etc. Mais son fils était tombé malade d'une tuberculose gravissime. Il était condamné. Sa mère, malgré le maçon, est allée à San Giovanni Rotondo. Il était furieux. Mais là, le gosse revient guéri. Bon, là, évidemment, ça a contribué à ouvrir les yeux du maçon. Et finalement, il s'est converti. Là, il a été honnête, il faut le dire. Et il a fait le sacrifice de, il faut reconnaître qu'on s'est trompé, etc., etc. Bon. Et il a reçu le baptême des mains du cardinal Silli lui-même, qui, depuis le début, vous avez vu, était favorable au Padre Pio. Bien. Une parenthèse, voyez, une conversion. Il suffit de montrer le Padre Pio. On montre le Padre Pio et il y a des conversions. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut ne pas hésiter, vous, d'en parler. Montrer le Padre Pio, montrer sa photographie, vous voyez, montrer cette estampe, partager ses vidéos. Il faut montrer, il faut faire de l'apostolat, c'est un devoir que nous avons. Bien. Donc, le Padre Pio est reclus. Mais cet ouvrage dont je vous parlais a été condamné pour avoir exposé de prétendus miracles et autres faits extraordinaires. Donc il y a à la congrégation du Saint-Office des gens qui sont vraiment des ennemis du Padre Pio, aucun doute. Bon. Un ami du Padre Pio, le père Agostino, est un jour de passage, c'était en juin, et il dit la chose suivante. Physiquement, je l'ai trouvé assez bien. Moralement, il est toujours marqué par l'épreuve habituelle qui, comme une épine, lui est clouée dans l'âme. Le ciel se tait et lui, il vit de foi et d'espérance. Il est souvent tourmenté par cette pensée, est-ce que je serai sauvé ? Vous voyez, il a l'épreuve intérieure, la nuit de la foi. Les choses extérieures, c'est moins grave finalement. Mais bon, durant la messe, continue le padre Agostino, il pleurait et paraissait proprement transformé. Donc notre Padre Pio est toujours entre les difficultés spirituelles très grandes et les difficultés, si on peut dire, politiques. Bon. Mais malgré sa prison, des pèlerins continuent à venir, d'Italie, même des étrangers. Et pendant toute la période de ségrégation, dit le supérieur du couvent, le père Raphaël, pendant toute la période de ségrégation du Padre Pio, de nombreux groupes d'étrangers venaient à San Giovanni Rotondo et se recommandaient à ses prières. Il est vrai qu'ils ne pouvaient ni le voir ni lui parler. Ils se contentaient de rester dans l'église, d'accomplir leurs pratiques spirituelles et de prier au pied de la Madone des Grâces. Donc, voilà que... Pardon. Les personnes viennent et le Padre Pio prie pour elles. Et peut-être par discernement des esprits, il sait exactement ce qu'elle leur demande, ce qu'elle demande à Dieu. Bon, par l'intermédiaire du Padre Pio. Et le Padre Pio dit une chose très intéressante. Un jour, il raconte à un de ses confrères, j'ai lu toute la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui est connue comme étant une des œuvres d'art les plus belles au monde. C'est une œuvre de littérature, mais elle embrasse tellement de choses, tellement de belles choses, qu'on la considère comme la plus belle œuvre d'art qui ait jamais existé. Et le Padre Pio dit la chose suivante. Je l'ai lu donc de 9h du matin jusqu'à minuit. J'ai compris alors que c'était une œuvre colossale. C'est un bel éloge du Padre Pio, de notre bon Padre Pio, de Saint Padre Pio, à la Divine Comédie. Ça me donne envie de le lire, je peux vous dire. Bon, il a lu quoi encore? Il raconte. J'ai lu aussi l'histoire des papes de Ludwig von Pastor en 16 volumes et l'histoire universelle de l'Église de Rohrbacher en 28 volumes. Vous voyez, il a eu le temps, hein, plus de 2 ans de clôture totale. C'est intéressant, c'est intéressant. Ce sont des grands classiques. Ludwig von Pastor et Rohrbacher, c'est extraordinaire. Il y a une anecdote qui est connue à propos de Ludwig von Pastor, c'est quelqu'un dont je pense que c'est Wiesmann, je ne suis pas tout à fait certain,
Si quelqu'un de vous le sait, et je le remercierai de me le dire, et qui a lu l'histoire des papes de Ludwig von Pastor et qui a dit vraiment, Wiesmann c'était gnostique, maçon et tout. Et il a dit il y a eu tellement de personnes, même dans les papes, c'est terrible ça, cette phrase, qui ont milité contre l'Église, que l'Église ne peut qu'être surnaturelle, ne peut qu'être de création divine. Et donc je me convertis. C'est ça qui a provoqué cette conversion de ce maçon. C'est extraordinaire. Donc il reconnaît qu'il y a eu des papes, malheureusement, qui ont milité contre l'Église elle-même. Bon, c'est triste, mais il a dit, en fait, ça tourne à la gloire de Dieu. Bien. Bon, cet isolement imposé au pape Pio a cependant ému toute l'Italie et à l'étranger. Pendant 2 ans, c'est une suite de suppliques, de tractations diverses, jusqu'à ce que les autorités ecclésiastiques cèdent et rendent la liberté d'exercer son ministère sacerdotal au pape Pio. Donc vous voyez que l'action des laïcs a été déterminante. Vous me direz, bon, mais ça c'est faire de la polémique, etc. Oui, mais dans un cas exceptionnel, parfois, dans un cas comme celui-là, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Il se trouve que la plupart des postes ont été ont vu leurs responsables, les cardinaux, changer, et donc il y a une situation un petit peu plus favorable. D'autre part, Morcaldi, le fils spirituel qui est maire de San Giovanni Rotondo, a connaissance d'un ouvrage très précis et scientifique que le docteur Festa s'était déterminé à écrire pour montrer que les stigmates de Padre Pio n'étaient pas naturels, n'avaient pas une origine ni une manifestation naturelle. Il ne dit pas que c'est surnaturel, puisque lui, il n'est pas homme d'Église, mais il dit c'est ça, ce n'est pas naturel. Et ça, c'est intéressant, parce que ça va toucher beaucoup un cardinal, le cardinal Rossi, parce qu'il dit, il fait distribuer des copies de ce manuscrit à différents cardinaux, des personnalités, à Rome, etc., et sans vouloir faire pression, cette fois-ci, mais simplement pour convaincre et informer. Il me dit, Yves Chiron, dans son livre, le Padre Pio, pardon, voilà, le stigmatisé. Et alors, le cardinal Rossi dit qu'il faut que l'Église fasse justice au Padre Pio. Bon, la fin de l'année arrive sans qu'il y ait de changement. Malgré cela, malgré cette promesse du cardinal Rossi. Alors, Morcaldi est désespéré, et puis il s'adresse au pape directement. Pardon, il s'adresse d'abord au secrétaire d'État, qui est le cardinal Pacelli, futur Pie XII. Pardon. Et quand Brunato, qui lui se faisait fort de publier des documents compromettants sur les affaires périphériques au cas du Padre Pio, c'est-à-dire concernant l'évêque, les chanoines et puis d'autres choses encore, et si la libération ne se faisait pas, ça c'était le côté pression était fait par le bouillant Brunato, et dont le fils fait des conférences encore aujourd'hui, je l'ai vu sur YouTube. Bon, mais enfin, et en tout cas, tout ça fait que beaucoup de gens s'émeuvent et veulent que les choses changent vraiment. Et lui, Padre Pio, lui, il s'est tu. Il s'est tu dans l'obéissance, il n'avait contact avec personne, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous voyez que les laïcs, à plusieurs occasions, se lancent dans l'action. Et je me suis dit, oui, il faut que nous nous lancions dans l'action. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette chaîne. Si on reste les bras ballants, si on reste les deux pieds dans le même sabot, comme disent certaines personnes dans la région du Mans, de la Flèche, on le dit aussi au Canada, bon, si on reste à ne rien faire, les choses ne se font pas toutes seules. Bien sûr, Dieu fait tout, mais on n'a pas le droit d'être
quiétiste. On n'a pas le droit de dire je laisse tout au spirituel et je ne bouge pas. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il nous faut faire quelque chose de déterminant. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que nous avons lancé cette chaîne sur les pas du Padre Pio, ce programme. Alors, je vous demande de bien vouloir nous aider. Je vous demande de penser que l'action, elle est importante. Elle est déterminante. On peut, voyez, la devise des bénédictins, ora et labora, prie et travaille. Nous avons le devoir. La prière, c'est bien. C'est indispensable. Mais quelqu'un qui ne fait que prier, c'est un moine. Si vous avez la vocation de moine, vous allez dans le monastère. Mais, et encore, chez les bénédictins, il faudra travailler. Vous voyez, nous, laïcs, nous avons un devoir. Nous avons un devoir d'agir. C'est notre part à nous. Et le Padre Pio, qui était dans une obéissance totale à sa vocation, eh bien, le Padre Pio, il a montré qu'il était un actif du tonnerre. Nous n'avons aucune espèce de bon motif pour ne pas agir. Et vous voyez pourquoi je vous dis que vous pouvez nous aider, vous pouvez penser, voir l'inspiration que le bon Dieu vous donne. Et c'est très important. Bon. Le 14 mars 1933, à 8h du matin, de manière tout à fait inattendue, deux personnages ecclésiastiques se présentent au couvent de San Giovanni Rotondo. 14 mars 1933. Ils arrivent de Rome. Ils ont un ordre du pape lui-même pour mener une enquête sur le couvent et sur Padre Pio. Alors, ça va être favorable ou pas? La veille, Monseigneur Pazetto, évêque capucin de Gera, avait été convoqué d'urgence au Vatican et Pie XI l'avait chargé d'une visite apostolique à effectuer immédiatement à San Giovanni Rotondo. Monseigneur Pazetto a juste eu le temps de choisir un secrétaire, il a pris Monseigneur Bevilac, qui a déjà été favorable au Padre Pio, et ils arrivent à Foggia. Le lendemain, et tout de suite, bien sûr, Monseigneur Pazetto veut s'entretenir avec Padre Pio, il est en train de dire sa messe, ce jour-là la messe avait commencé à 7h et a terminé à 10h, 3 heures de messe donc. Mais après, il parle avec lui et il trouve qu'il est très humble, docile, et que son comportement n'a rien d'un charlatan. Il trouve que le Padre Pio est vraiment un homme de prière, de sacrifice, tout à Dieu. Et finalement, son rapport va changer beaucoup les idées de Pio XI sur le Padre Pio. Alors, là, à ce stade-là, le livre que je suis en train de vous commenter, et qui est fort intéressant, eh bien, raconte la phrase de Tertullien. La prière et la souffrance sont les seules forces devant lesquelles Dieu s'incline. Vous voyez, la prière et le sacrifice, les seules forces devant lesquelles Dieu s'incline. Dieu ne s'incline pas contre le chantage. Mais la prière et le sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Évangile, notre Seigneur disait à ses apôtres, il y a des démons qui ne s'exorcisent que par la prière et le jeûne. Alors là, on voit, il y a eu d'un côté l'action des laïcs. Mais si l'action des laïcs a marché, c'est parce qu'il y avait aussi un Padre Pio pour souffrir. Voilà une chose que je voudrais relever et vous dire que finalement, vous pouvez faire les deux, l'action et le sacrifice, et la prière. Une action qui sera un sacrifice. Voyez, de chez vous, de votre table de travail, tout simplement, avec quelques clics, vous pouvez faire beaucoup pour cette chaîne. Et en particulier, pensez qu'il y a un groupe, le groupe des protégés du Padre Pio, ceux qui vont recevoir notre livre sur le Padre Pio, gratuitement d'ailleurs. Et bien, ce que je voulais vous demander, c'était si vous pouviez penser, envisager de généreusement faire partie de ce groupe. C'est-à-dire, prier pour les autres membres de ce groupement, le groupe des protégés du Padre Pio, prier pour eux. Les mérites des uns
se verse sur les mérites des, sur les âmes des autres. Vous serez soutenu comme cela. Deuxièmement, vous aurez la messe. Vous avez la messe de tous les vendredis à midi pour vous, pour ce groupe. Et c'est extraordinaire. C'est une source de grâce qui est énorme. Énorme. Et puis, vous aurez les bénéfices de, évidemment, le plus grand bénéfice, vous savez qu'est-ce que c'est ? Le plus grand bénéfice, ce sera de faire un sacrifice régulier pour cette chaîne. Je dis que c'est un bénéfice parce que je vous l'ai déjà dit, ce qu'on donne au bon Dieu, il vous le rend au centuple. On dit toujours, la Sainte Vierge, pour un œuf que vous lui donnez, elle vous rend un bœuf. Et le Padre Pio, eh bien, il fait la même chose. D'ailleurs, ce qu'on donne au Padre Pio, c'est aussi à la Sainte Vierge qu'on le donne, et au bon Dieu. Donc, vous voyez, ce que je voulais vous demander, c'était si vous pouvez envisager cela, eh bien, je crois que nous ferons cause commune et que nous ferons progresser énormément la cause de notre bon Padre Pio, que nous aimons tellement. Alors, ce que je voulais terminer à dire, c'était... n'hésitez pas de mettre votre like, de partager cette vidéo, et puis mettez vos commentaires s'il vous plaît, cela m'intéressera énormément. J'ai déjà beaucoup de commentaires que je vais vous commenter dans la prochaine séance de commentaires. Vous allez voir, il y a des choses très très intéressantes. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous souhaite surtout une série de grâces énormes de la part du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.